Cette fois-ci, je vais te montrer comment ouvrir un fichier, l'afficher dans un navet avec l'API. Nouveau projet, Java. On va l'appeler test. Sling. Tout. Toujours. Finish. Ok. Package, CG, certain, point, view, fini. Ok. Nous, je crée une nouvelle feuille. Je crée. Parce que les signes sont finis. Ok. Après, voilà. Tu vois? Qu'est-ce que je fais? Je mets un label. Je mets un label ici. Le label qui va afficher l'image. Propriété. Non. Ok. Je change le nom. Je change bien. Je l'appelle par exemple l'image. Ok. Là, je change un peu le bordure pour l'afficher. Sinon, je vais créer un support de personnes. Okay. Et dans ma profession de marketing, je prends un bouton simple. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait en cliquant ici, tout le boîtier de la va s'ouvrir. On va sélectionner l'image, on va l'afficher. Là. Ok. Réaction du clic. Ici, avant de le faire, pour le faire simple, facilement, on utilise mon API que j'ai créé là, je t'ai envoyé. Là, je recommence, bien sûr, projet, clic droit, propriété. Les poèmes, Adichard, voilà, il est là, RCKAPI 1.0. Le vieux, hein, il n'est pas encore mis à jour, voilà, ces derniers temps, je n'ai pas encore aucun. Okay. RCKAPI est là. Je t'ai envoyé la documentation, c'est un fichier web, tu peux lire les fonctionnalités, la définition des différentes méthodes. Okay. On va l'utiliser. Première des choses, on crée un file. On importe, c'est un post qu'il importe. Il importe les classes natives, pas de problème. Je vais faire l'import. Import. Ok. Puisque pourquoi un objet de type file? Parce que je veux prendre un fichier. Hein, c'est un objet de type file. Je veux prendre un fichier. Il va me permettre de stocker un fichier. Et puis ce fichier que je vais récupérer à n'importe quel endroit de mon ordinateur, j'aurai le chemin absolu de ce fichier. Puis je peux le convertir en byte, le stocker dans une base de données ou l'afficher à n'importe quel endroit. C'est-à-dire égal. Et là intervient l'API. Je fais appel à la classe Swing Utility. Swing Utility. Voilà. Tu vois, j'ai trois Swing. J'ai Swing FX Utility, c'est le package Java FX, c'est un composant FX. J'ai Swing Utile du COM, RCK Swing Utile. Comme c'est COM, c'est que c'est un projet que j'ai dû utiliser récemment. Je vais prendre ceci du CG RCK. Celui-là se trouve dans le module. Tu vois, l'import s'ajoute ici. Import RCK comme CG. Pourquoi? Parce que
C'est ce swing utility là que j'ai appelé. Swing utile, c'est-à-dire le package CGRCK utile. CGRCK utile, swing utility. Le swing utility a trois méthodes. Hein. Je peux attacher la documentation si je le retrouve. Je peux le faire. Clique-toi, attacher. Adhesive folder. Pour voir ce qu'il y a de dire, application, Java, Java. Où est-ce qu'il se trouve? Voilà, tools, merci qu'à l'API, Javadoc, adhésive, ok. Voilà, tu vois, j'ai trois méthodes. Choose image file. Public, hein, choose image file, il prend paramètre, le composant par lequel la boîte de dialogue s'ouvre, et puis il renvoie un objet de type fichier, donc file. Le deuxième, c'est get file excel to save, ce qui veut dire retourne un objet de type string, en toujours en paramètre, le composant parent. Ça c'est le get file excel to save in, ça veut dire que tu récupères le fichier excel, tu récupères le fichier, tu le sauvegardes dans le fichier excel. Tu vas décrire cette API pour utiliser cette fonctionnalité facilement. J'ai le repeindre le panel. Il est là, tu vas voir. Elle permet de remplacer le panel parent par le panel cible. C'est l'effet d'un carré rouge simplifié. Enlever peut remplacer. Prendre en compte le panel parent et le panel cible. Tu vois, au lieu de créer des applications avec multi-frame, tu cliques sur le bouton, une fenêtre sur la gauche, sur la droite. Non, non. On peut tout faire dans le même conteneur. Donc, en utilisant cette méthode-là, à tout moment, on envoie la cible, on remplace le parent. On envoie la cible, on remplace le parent. Mais nous, on va utiliser ceci, le choose image file. Ok. Un paramètre, on va dire, là, tu prends la fenêtre courant. Tu vois? Si on essaie de compiler notre test, on le compile. Ouais, on change toujours le frame comme on va rentrer. Voyons voir ce que ça donne. Ok, la fenêtre là, dès que je clique open, tchou, elle s'ouvre. Tu vois, le open est ouvert. Le open est ouvert. Je peux définir. Ok, cancel. Non, je veux gérer ce open là. Là, tu vois, il n'est pas géré. Donc, le conseil est géré. Je vais gérer le open là quand tu cliques. Ce qui veut dire, dès que je le récupère, je le load dans un file. After, j'utilise la méthode toujours de l'API. Ça s'appelle image utility. Image utile, tu vois. Là, image utile, j'ai attaché la Javadoc, on a public class image utile égale blockchain. Je l'appelle la méthode de la classe image utile, plusieurs méthodes à l'intérieur. Voilà, voici la beauté. Convert to byte array, ce qui veut dire quoi? Il retourne un tableau de byte en paramètre unicode. C'est-à-dire, par exemple, pendant ça, là, je peux afficher l'image que j'ai récupérée via un lien absolu, je l'affiche sur un label, et puis pour enregistrer cette image de la base de données, j'utilise la méthode getIcon du label, je récupère l'icône, je le mets en paramètre ici, après il me renvoie un tableau de bytes, ce tableau de bytes, je le save de la base de données. Celui-là, resize image for label, il y a trois méthodes. J'ai utilisé une méthode qui s'est surchargée. Le premier prend en paramètre le tableau d'octets, un tableau de bytes. Le deuxième prend en paramètre un file et le label. Le troisième prend en paramètre le tableau d'octets, le tableau de bytes et puis le label. Je m'explique. Celui qui prend le file et le label, c'est ce qu'on va utiliser. Il va redimensionner l'image qui se trouve sur le chemin absolu du file dans le label que je l'ai passé en prenant en compte le width et le height, donc la largeur et la hauteur du label. Celui-là, c'est la même chose, je peux récupérer l'octet directement de la base de données. Donc là, maintenant, j'ai un tableau, j'ai plus un chemin absolu, et puis je l'affiche directement sur le label.
Dans notre cas, c'est un fichier, puisqu'on va récupérer un lien depuis l'ordinateur. Dans le cas de la base de données, on va récupérer un terme de côté qui sort de la base de données, un type blob, et puis on affiche directement sur celui-là. Ok. Tu vois, on a le file qu'on a récupéré, on envoie, et puis on a l'image. L'image, c'est notre composant, c'est le label. L'image, c'est le nom du label. Okay. Maintenant, pour question un peu de programmation, on peut par exemple écrire une méthode ici, par exemple, pivot void, ou bien pivot boolean save on paramètre. On envoie par exemple le file, on envoie notre petit file. Ok, voilà. Retourne. Pour l'instant, voilà. Par exemple, ici, j'appelle cette méthode. C'est vrai. Ce qui veut dire, dès que je veux récupérer cette image-là, je vais l'afficher directement. Il envoie ici, c'est bon. C'est bon, reçoit ici. À partir d'ici, je peux appeler par exemple ce composant là, image utile, convert to byte et wave. Voilà, on peut le faire comme ça. Si on avait une base de données, on peut faire un test. Pour l'instant, on fait ce test là. Ok, on récupère le fichier, le champ absolu. On l'a fait sur la main. On va faire un test. Ok, open. All. 07. On va prendre quoi? New folder. Voilà. Ok, open. Tchou. Tu vois? Il est redimensionné. Open. L'image est là, il est recadré ici. Il s'étend pas en fait. Il est recadré là. C'est Casoft. Il s'affiche correct. Donc, si je redimensionne ce label, il va prendre la taille du label directement. Je l'ai ici. On peut créer un bouton ici, save. Donc quand on clique sur save, il récupère cette icône là, il envoie tout dans la base de données. Example. Example, on va faire l'exemple. On va prendre un bouton. Bouton. Tu vois, c'est. Pour que ça soit logique, on va rendre cette variable. On ne va pas le rendre local, on va le rendre global pour avoir accès. On a ici. On monte. Ok, on va monter global pour avoir accès partout. Sous entendre c'est le même fichier ici. On peut le retrouver. Ou on va par exemple prendre Nicole. Icône image, putain, image icône. On va le faire avec une base de données, c'est mieux. Parce que là, j'ai pas d'inspiration. On va le faire avec une base de données la prochaine fois. On va utiliser une base de données, c'est plus simple. Là, pour voir, tu as ta pièce d'identité. Chaque fois, c'est lui qui me cherche un problème.
Il s'affiche, il s'adapte. Bon, bon, en fait, l'API a beaucoup de méthodes à l'intérieur que tu peux voir, que tu peux utiliser. Tu veux enregistrer les choses dans la base de données. Tu peux faire du cadre là-haut. Tu peux tout faire. En fait, tu as la documentation. Tu n'as qu'à lire. Ça, c'est juste la personne. Bon, je vais essayer de chuter un peu pour te montrer un peu du swing XOL que j'ai acheté tout à l'heure. Tu as vu du swing XOL. Par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est. Il est où Bon, le dit hyperlink, hein? C'est juste un lien que tu peux faire. Ça n'apparaît pas comme un lien, tu vois. Tu cliques dessus et tu ramènes quelque part. Hein? C'est un lien. Tu peux personnaliser tout ça, les couleurs, lorsque tu cliques, over, lorsque la souris. Le pointeur passe au-dessus et autres. C'est-à-dire beaucoup de composants aussi. Hein. Tu prends un composant que tu utilises. Maintenant, si tu vois qu'il y a un composant que tu veux utiliser, tu vois que tu n'arrives pas à utiliser, tu me fais juste un texto. Et puis, je te fais un petit tutoriel de listant. Celui-là, j'aime beaucoup. Il te permet de personnaliser les headers. On est un header. On est un header. On change de couleur. On peut mettre un titre. Il y a beaucoup de composants un peu évolués à l'intérieur. Bon. Ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est ça, le petit header pour les headers. Et puis, il y a aussi le title, le title pan, que j'aime beaucoup utiliser. Il y a aussi le task pan que j'aime beaucoup utiliser. Le composant là. Il est où, 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 dit X texte. Waouh, je ne l'ai pas ramené, on dirait. Le date picker, là aussi, tu peux l'utiliser, tu vois. C'est un date picker, il est facile à utiliser. Et dès que tu le mets, c'est un composant tout à fait tout prêt. Dès que tu le cliques, il t'affiche un tableau. Tu récupères, tu as la date. Get date seulement, tu récupères la date. Bon, en fait, c'est facile à utiliser ces composants. Bon. Bon, j'espère que c'est bon. Je vais m'occuper, tu vois, et puis tu as l'aperçu du saving, le projet que j'ai commencé à build. Tu vois, je change de gros projet. Il dit quoi? No project open? Ouais. Oh, c'est parce que j'ai mis le projet. Wow. Je suis obligé d'ouvrir. Il a tout pété. Attends, je te montre. 70. C'est ce que j'ai pas fait. 70, c'est cool. Ok. Open. 1, 2, 3. Tu as l'aperçu de l'architecture du projet que j'ai dénommé Kusimayabin. Oh, why? Netbin m'énerve. Je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, j'ai défini trois composants. Open project. Allez, ton composant là. Tu remercies plus tard. Là, j'ai le domaine. Où seront logés les modèles de l'application. Les modèles, j'ai décrit le logiciel récent que je t'ai envoyé. Il y a la unité de persistance. Et puis, il y a les entités de chaque classe, de chaque table qui se trouve de l'autre côté. Là, c'est le domaine. Là, on a le corps de l'application. Le corps de l'application. On a notre exception. On va hériter par-ci par-là. Et puis, on a nos interfaces générées pour respecter notre architecture métier. On a le DAO et le service. Après, on a notre machine, notre module BIM qui sera déployé sur le serveur.
être utilisé par un client web ou un client desktop. Lui va implémenter, lui va utiliser le Cushman Accord comme librairie et le domaine comme librairie. En fait, c'est un peu ça. Bon, je vais un peu coder du Android parce que j'ai un boulot à finir pour ce soir. Donc, restez au courant. Peace.